Hey, qui êtes-vous? Annette Birkin. C'est elle qu'on cherche? Pas assez de temps. Il faut s'en débarrasser. Nous sommes là pour le virus G. Et puis quoi encore? Dernier avertissement. Ah oui? Hé! Arrêtez! Anna! Vous n'aurez jamais le virus G! Je crois que je l'ai sous-estimé. Léon. T'en fais pas pour moi. Vas-y. Surtout, la laisse pas s'échapper. Je suis à l'extérieur de l'installation, sur la trace d'Annette. Si elle ne l'a pas sur elle, alors ça doit être dans le nest. Quand je l'aurai, je ferai une demande d'extraction. Un vrai jeu d'enfant. Bracelet d'identification requis. Bravo. Vous allez me brûler, c'est ça? Hors de question, vous touchiez au virus G. Je suis pas la seule à le vouloir. Vous le savez. Alors d'autres mourront. Cette garce sait ce qu'elle fait. Ça suffit de jouer au chat et à la souris. La partie est finie. Vous avez perdu. Dites-moi, votre mari est encore vivant? Ou vous l'avez tué pour vous attribuer le mérite du virus G? Théorie intéressante. Si vous ne coopérez pas, j'obtiendrai un échantillon du nest. Il faudra d'abord me tuer.
Ada ? Merde. Non, j'aime pas ce bruit. Où est-elle ? Ada ! C'était quoi ça ? Je dois rétablir le courant. Cette fois, je te tiens. Thank you.
Ada ! Ada, où es-tu ? Par ici ! Ada ! Je commençais à m'inquiéter. Je peux pas l'enlever. Je sais pas si je devrais. Fais-le, je peux pas marcher avec ça. Ok. Ça va faire mal. Bouge pas. Ça va, je peux le faire. Et étends-toi, ok? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu devrais partir. Pendant que tu le peux encore. Je vais pas t'abandonner. Pas dans cet état. Tu comprends pas. La situation est pire que ce que je pensais. On se débarrasse pas de moi comme ça. Tu m'as sauvé. C'est à mon tour. Alors comme ça, on compte les points. Tiens-toi à moi. N'abuse pas non plus, hein. Ok, je voulais juste t'aider. Fais attention. Tu veux m'aider? Il faut qu'on aille au Nest. Nest? Le labo d'Umbrella. Là, sous nos pieds. Annette en a parlé. Les échantillons du virus s'y trouvent. Tu es partant? Je crois que je peux caser ça dans mon planning. Allez. On a du pain sur la planche. Oui, chef. Laisse-moi te porter. Non. Je me sentirai encore plus mal. Comment va ton épaule ? Pire que ça en a l'air. On fait la paire. Tous les deux un pied dans la tombe. Ça devrait nous amener à bon port. Cette navette va au Nest. Veuillez ne pas sortir avant la destination finale. Je pensais à un truc. J'ai hâte que le FBI débarque au QG d'Umbrella et foute tous ces enfoirés derrière les barreaux. Moi aussi, et que ce soit clair. Cette affaire n'est pas de ton ressort. C'est une affaire fédérale. Une fois qu'on aura le virus G, je continuerai seule. Hé, Léon. Tu me fais confiance? Et toi? Franchement, si c'était pas le cas, tu serais déjà mort. Je vois. Je me suis dit que tu pourrais m'aider. Et j'ai eu raison. Si tu obtiens le virus G, je ferai en sorte que ce qui s'est passé à Raccoon City ne se reproduise jamais. Ada, tu l'as dit toi-même. C'est une affaire fédérale, Léon, je suis pas habilité. Regarde-moi. J'ai besoin de toi. Si je veux boucler cette affaire, tu es mon seul espoir. Pas question de te laisser ici. Imagine qu'on t'attaque, que tu aies besoin d'aide. Ça va aller. T'en fais pas pour moi. Je veux aller jusqu'au bout. Et je veux te revoir aussi. Je compte bien vivre, crois-moi. Vous êtes arrivé au Nest. Vas-y. Allez, on n'a pas le temps. T'auras besoin de ça. Ok. Léon. Je compte sur toi. Je sais. Sécurité, veuillez attendre l'ouverture complète des portes. Pour votre sécurité, veuillez attendre l'ouverture complète des portes. Pour votre sécurité,
Veuillez attendre l'ouverture du décor. Bienvenue au Nest. Agréable visite à tous. Qu'est-ce qui s'est passé ici? L'accès à l'ordinateur est réservé au cadre supérieur. Putain de merde! Pulvérisation des solutions en cours. Alerte. Vous avez répandu une solution dangereuse sans autorisation. Vos actions ont été enregistrées et vous pourrez faire l'objet de mesures disciplinaires. Lui. LG en visuel. On entre. Calmement. Je savais bien que vous viendriez! C'est le travail de ma vie! Hors de question que je cède quoi que ce soit! Nous avons des ordres, docteur Birkin. Je vous le demande encore une fois. Laissez-le! Putain, mais qu'est-ce qui t'a pris? On avait ordre de le ramener vivant! On est entré, mais on a eu un problème. La cible a résisté, on a dû l'abattre. C'est exact, monsieur. Bien compris. Juste les échantillons. Allez, on bouge. Bon, c'était facile. Attention, retrait non autorisé d'un virus de niveau 4 détecté. Début du confinement de la structure. Savoir ce qui se passe. Pardon, William. Tu m'as pas laissé le choix.
Vous l'avez appelé William. Pourquoi ? Ça aurait pas dû finir comme ça. C'est de la faute d'Umbrella, tout ça. Vous en faites partie. Vous êtes impliqué là-dedans, non ? Oui. Mais jamais on a voulu que ça se produise. Dites-moi tout. Racontez-moi depuis le début. Vous vous en tirerez pas comme ça. Qu'est-ce que t'as fait ? Vous avez créé ce monstre. On a créé le virus G, mais à aucun moment on a voulu... Ne cherchez pas d'excuses. Vous êtes responsable. Ça a l'air sérieux. Et ça fait un mal de chien. Par rapport à tout à l'heure, je sais pas si je dois vous croire. Promets-moi de détruire l'échantillon du virus G. Non, c'est une preuve. Ça ira au FBI. Tu crois cette garce ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Elle n'est pas du FBI. C'est une mercenaire. Elle va le vendre. Le virus G va aller au plus offrant. Ah, c'est des conneries. J'espère me tromper. Mais si le virus G tombe dans de mauvaises mains... Justement, je pensais à toi. On est deux, alors. Je commençais à m'inquiéter. On forme une bonne équipe.
J'ai quelque chose à te demander. La voie est libre. Allez, dis-moi que tu l'as. Oh, je l'ai. Laisse-moi vérifier l'échantillon et on fiche le camp. Mais d'abord, j'ai croisé Annette. Elle dit que tu n'es pas du FBI. Oh, Léon. Pourquoi tu m'as pas juste donné l'échantillon ? J'ai compris que, même si je voulais te faire confiance, je pouvais pas. J'espérais ne pas avoir à en arriver là. Donc c'était ça. J'étais qu'un pion pour toi. Je ne fais que mon travail. Et moi le mien, alors pose cette arme. Tu viens avec moi. Donne-moi l'échantillon. Je ne veux pas te blesser. Vas-y, tire. Je pense pas que t'en sois capable. Fais attention à toi, Léon. Mais tout est sur le point de s'écrouler. Écoute-moi. Il faut que tu partes. Vite! Oui. J'ai un moyen de sortir. On va y arriver. Où es-tu, là? Claire! T'es encore là? Léon? Hé, Léon, je t'entends mal. N'attends pas. Fiche le camp d'ici. Merde. C'est pas le moment. Thank you.
arriver au niveau inférieur avant détonation. J'arrive pas à croire qu'elle me manque. Léon ? Hé ! On a réussi. Tu vois, je te l'avais dit.